des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Oh, quelle musique, Alpha Blondie. Merci de cette très belle musique. Merci encore une fois de plus, Alpha Blondie, qui nous fait rentrer dans ce grand débat avec cette belle contribution musicale. Merci aussi à Malik Sall. Grâce à lui, la réalisation de cette émission est totalement parfaite. Et vous nous voyez depuis le pays de l'oncle Sam. Je voulais remercier nos chers panélistes qui sont toujours là avec moi dans ce studio pour essayer de faire ce grand débat. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire bonjour, votre serviteur Serge Niawa. Nous allons faire le grand débat. C'est la continuité du grand débat de la semaine dernière, comme je l'ai prévu. Le thème d'aujourd'hui, c'est le plan secret du régime RPT Unir vers un coup de force chaotique. Je répète bien. Le plan secret du régime RPT Unir vers un coup, un nouveau coup de force chaotique. Et pour ce grand débat, j'ai dans ce studio avec moi M. Kenao Yves, qui est toujours présent et qui m'a toujours honoré de sa présence pour dire que je suis tout le temps là pour lutter jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Yves, encore une fois de plus, merci d'être avec moi. Merci Serge Niawa, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bonsoir et merci encore une fois d'avoir choisi notre télévision comme votre station de votre chaîne de télévision pour cette grande émission de Serge Niawa, Grand Débat. À tous nos panélistes depuis North Carolina, depuis Atlanta, je vous salue. À vous tous, professeur Moussa, bonsoir. Professeur Moussa, bonsoir encore une fois. Monsieur Yves Guénard. Gabriel depuis Lomé, bonsoir. Merci Yves Kenao, vous m'avez quand même devancé, mais je dirais plutôt aux côtés de la Caroline du Nord. Du côté de la Caroline du Nord, nous avons le professeur Issoufou Moussa qui est conférencier. Avec lui, nous avons toujours eu quand même à parler des sujets brûlants de l'Afrique. Professeur, soyez encore la bienvenue et merci d'être avec nous. En tout cas, ce n'est pas ici. Hein. Professeur, ouais. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors? Je crois que le professeur n'a pas attendu. Oui, je suis là. Mais nous continuons cette présentation. Peut-être qu'on verra, on viendra sur le professeur. De l'autre côté de d'Atlanta, nous avons Credo Emmanuel. Credo Emmanuel qui n'est plus à présenter. Ça, c'est le sage même de la maison. Alors, Credo, comment ça va à Atlanta? Tout va bien, merci. Je suis Inch'Allah et très heureux d'avoir répondu au rendez-vous d'aujourd'hui.
et je salue tous les panélistes et j'espère que on aura un agréable débat pour de la étudier et puis donner nos points de vue sur la situation qui prouve au Togo aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Credo. Au Togo, notre représentant, le représentant de Tempo Afrique, Monsieur Adona Gabriel. Encore une fois de plus, merci d'être avec nous, Gabriel. Oui, merci. Allô, Marie. Je vous salue. Et puis, je sais bien que c'est difficile. Et je profite de cette occasion pour vous dire que voilà, c'est tout un travail que vous abattez de l'autre côté. C'est comme si. Voilà. Sinon, moi, je suis en ligne. À travers ce débat, à travers notre émission, je crois bien que beaucoup de choses vont changer pour changer la situation, surtout au Togo. Merci une fois encore. Merci donc, Gabriel. Je crois qu'on a quelques problèmes techniques, mais nous allons quand même continuer en attendant de pouvoir parler avec le professeur. Alors, Monsieur Kenao, aujourd'hui, nous avons quand même un sujet qui est encore plus laborieux, un sujet qui attire l'attention de tout un chacun. Et ce sujet amène quand même aussi la classe politique à nous dire ce qui se passe. Le plan secret du régime RPT uni vers un nouveau coup de force chaotique. Alors, comment est-ce que vous le pensez? Bon, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas éclairci, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez par plan secret? Avez-vous un plan de répéter comme ça? On saura s'il est secret ou pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par plan secret? Parce que quand j'ai lu une fois votre thème, je me suis posé la question, y a-t-il un plan secret? D'accord. Y a-t-il un plan secret? Y a-t-il un plan secret? Voilà. C'est pourquoi nous sommes là. J'ai posé ce sujet pour que chacun de nous essaie de donner sa version. Chacun de nous essaie quand même de participer. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de plan secret, en fait, vous nous dites que voilà comment je conçois la chose. Voilà. Voilà. Bon, moi, c'est que quand j'ai lu le thème, je me suis dit que peut-être qu'il y a un plan secret que moi, Yves Kenao, je ne connais pas. D'accord. C'est pourquoi je vous pose la question. Mais si c'est une question que vous posez à nous tous de savoir s'il y a un quelconque plan quelque part qui est un plan secret. Bon, si c'est sur ce plan-là, moi je dirais que moi je ne connais pas un plan secret. D'accord. Voilà. D'accord. Je crois que on va revenir tout à l'heure à vous. Je vais d'abord donner en même temps le canevas même de notre grand débat. Dans un premier temps, on pourra laisser la parole à Gabriel Adona de nous donner des informations sur le Togo, qu'en est-il? En deuxième position, nous allons quand même parler du discours du président de la République, Florent Yassimbel, à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo à la nation. Et nous allons parler des dialogues et élections. Hein? Et s'il y a une confusion, si cela prête confusion. En quatrième position, nous allons parler de la constitution togolaise. Qu'est-ce qu'elle dit s'il n'y a pas de tenue des élections? Et après, nous allons parler de la reprise de service des militaires retraités, rappelée par M. Félix Abalo Kadanga pour une durée de 6 mois, selon donc le communiqué du gouvernement. Alors, je crois qu'on nous fait signe, professeur en ligne. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Serge Niawa. Bonjour à tous les amis sur le plateau. Et bonjour aux auditeurs de Tempo Afrique TV. D'accord. C'est un grand plaisir de vous avoir, professeur. Alors, le thème d'aujourd'hui, je le répète encore, il s'intitule « Le plan secret du régime RPT ». Unir vers un nouveau coup de force chaotique. Alors, comment est-ce que vous prenez ce thème, professeur?
Oui, bon, c'est comme j'écoutais M. Yves Kenao qui disait que il ne connaissait pas de plan secret, et moi aussi, ce que je vais dire, c'est que quel que soit ce que le RPT fait, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Si c'est un secret, alors je vais le qualifier de secret de polichinelle, ou bien secret de l'autruche, parce qu'il ne sait jamais se cacher. Tous ces faits et gestes, ces mouvements, tout ça là, nous avons déjà ça dans la main. Et donc, désormais, rien de ce que le RPT ne fera ne nous échappera. Alors, moi, je ne veux pas qu'on parle du plan secret. Nous allons parler du plan macabre, qui n'est pas secret, mais qui est su du peuple togolais, qui est connu du peuple togolais. Et c'est pourquoi le peuple est rendez-vous pour user de tous les moyens constitutionnels pour empêcher le RPT d'exécuter ce plan-là, parce que ce plan-là signifie la recrudescence de la violence, signifie la mort encore des Togolais. Alors que nous, on s'est inscrit désormais dans le sens de la non-violence, parce que nous voulons tout faire pour que le Togo ne connaisse plus une violence quelconque lorsqu'il y a élection. Nous avons toujours été de ceux-là qui avaient voulu, n'est-ce pas, à éviter que la violence soit depuis 1992. Mais le RPT a toujours usé de ces moyens-là pour amener les gens dans la violence. Et nous disons que cette fois-ci, nous avons pris l'engagement avec le peuple que pour rien au monde, le peuple n'ira encore se faire massacrer par ces gens-là qui sont prêts à tout pourvu que le pouvoir leur soit conservé. Alors, nous disons que à cause des élections, nous ne pouvons plus engager le peuple togolais dans le sens des massacres où le sang va encore couler. Et assez et trop, c'est trop. Et jamais, on ne va jamais accepter ou bien donner l'opportunité au RPT de marcher encore sur les cadavres du peuple togolais pour aller, c'est pas à réclamer une victoire quelconque qu'il ne mérite jamais. Donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un plan secret, tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire, mais ça ne va pas passer, c'est tout. Merci. Professeur, Credo, est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ce que le professeur a dit avant qu'on ne donne la parole à Gabriel Adona pour essayer de nous donner des informations sur Togo Lomé? Oui, je voudrais bien intervenir. D'abord, on ne peut plus appeler ça un plan secret. Et ce plan d'abord, a eu à nous montrer comment le régime se prépare à forcer le peuple à aller aux élections. D'abord, ça a été signifié parfois dans son discours à la nation pendant la commémoration de la fête de l'indépendance, soi-disant que les dates des élections seront respectées selon les conditions constitutionnelles et qu'il va complètement faire exécuter les élections pendant cette date. Aujourd'hui, on ne voit pas encore quelles sont ces dates. On quitte d'un point où c'est eux qui ont sollicité un dialogue. On est en train de faire le dialogue. Il faut essayer de voir comment, quel est l'aboutissement final du dialogue. La CDAO est intervenue, on a ajouté un autre facilitateur. Au lieu de laisser les arbitres qu'on a désignés nous donner le verdict, on prépare un plan B qui est, l'Assemblée sera à l'expiration de son mandat et que selon leur interprétation de la Constitution, il faut aller aux élections pour qu'on ne puisse pas créer un vide. Ça se sait. On a rappelé
les militaires qui ont été mis à la retraite en 2017. Est-ce que le Togo est en guerre? Pourquoi appelle-t-on une force, un militaire en retraite, c'est une force de réserve qu'on peut toujours utiliser en cas d'une agression ou bien en cas de besoin d'une force militaire qui demande à ce qu'on on utilise leur service. On ne voit pas l'utilisation de ces militaires retraités qu'on appelle pour 6 mois. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Mais ce n'est plus secret, puisque c'est au vu et au su de tout le monde, comme le professeur l'a dit. Ce n'est plus un truc secret. Et la population aujourd'hui est éveillée. La population ne va pas se laisser faire. Moi, je trouve qu'il faut laisser la CEDEAO prendre et donner son verdict, et puis on verra la suite. Merci. Merci donc, Claude. Je pense que vous avez compris quand même le sujet tel qu'il a été posé. Alors, Yves, est-ce que vous voulez intervenir avant qu'on aille de l'autre côté du Togo? Parce que nous entendons les informations. Non, mais il faut tout ce que nous avons dit, d'accord. C'est, je laisse que l'autre là nous donne s'il y a quelque chose de nouveau comme d'accord. ça. D'accord. D'accord. Merci donc, monsieur le Brugiozère. Monsieur Gabriel Adona, est-ce que vous êtes avec nous? Ben, faites-nous un peu le point de tout ce que vous avez parcouru depuis Lomé jusqu'à maintenant. Alors, pour promouvoir et mettre en valeur les prescriptions des droits de l'homme, Jean Yaodegli, Jovi Gali et Ajavon, tous avocats au barreau de la justice togolaise, se sont constitués une association dénommée APES, Association de promotion de l'éthique des droits de l'homme, ont voulu tenir une conférence de presse au courant de la semaine dernière pour donner des recommandations suivant le respect de la déontologie des droits de l'homme au gouvernement de Faure Gnassingbé. Et par leur grande surprise, ces praticiens des lois ont été confrontés à la machine militaire des forces de répression du régime RPT-Uni. Les trois avocats sont obligés de sortir de la salle de conférence et faire passer leur discours de circonstance sous l'intimidation, bien sûr, au seuil de la devanture de la salle devant les journalistes togolais. Pour les préparatifs d'une convention politique de l'Alliance nationale pour le changement, le leader de l'ANC et ses collaborateurs ont entamé une campagne de sensibilisation et d'appel aux adeptes du parti. Au cours de ce trajet, ils ont été victimes de la répression une fois encore par les militaires, surtout à l'intérieur du pays et dans la ville de Kara, de Sokoné et de Saint-Cassé. La gendarmerie reste toujours une prise de position aux côtés du gouvernement togolais. À cet effet, ils étaient dans l'obligation de regrouper leurs adeptes, leaders locaux, tous à Lomé, au siège de l'église évangélique presbytérienne de Nyikonakwe, pour le déroulement de cette convention, et dans laquelle il a été tenu des menus pour outiller bien les responsables locaux de l'ANC qui sont à l'intérieur du pays, censés pour mobiliser le reste de la population de l'autre côté pour les protestations contre le régime de Faure Gnassingbé. Après cette convention, Jean-Pierre Fabre s'est lancé encore dans une tournée de sensibilisation et de conquête pour attirer plus l'attention des Togolais sur les blocus du dialogue politique inter-togolais. Au parcours, le leader du fil de l'opposition togolais s'est vu confronté une fois encore aux intimidations de la gendarmerie de Saint-Cassé, en l'occurrence le lieutenant Awiya a utilisé tous les moyens
y compris une fouille systématique de tous les véhicules, obligeant Jean-Pierre Fabre à ouvrir lui-même sa valise et faire sortir ses affaires une à une pour empêcher le chef de file de l'opposition à se rendre à Charnopi, un village érigé en canton au-delà de la frontière du Ghana, pour rencontrer les expatriés politiques togolais qui l'attendaient avec une attention particulière. Jean-Pierre Fabre, n'ayant pas pu affranchir la frontière, a chargé M. Alphonse Kogo, l'un des députés de l'opposition, une enveloppe de la part des députés togolais de l'opposition pour les réfugiés togolais exilés au Ghana depuis plusieurs mois. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition a rendu visite aux détenus politiques de la prison civile de Lomé ce jeudi le 30 mai 2018 par la coordinatrice générale Brigitte Adamago-Donson. Les détenus politiques de la prison civile de Lomé ont été soulagés et renforcés de courage par les vivres et certains costumes offerts par la C14. Et à travers ce geste, ces détenus, ces derniers, réitèrent leur engagement très ferme de mobilisation pour le départ de Fornia Simbé. Et en plus de ça, il faudrait le signaler, Monsieur Serge, que avant-hier, il y a eu l'effondrement d'un immeuble sis au grand marché de Lomé, à côté de l'Institut Gouif. Cet immeuble s'est effondré hier dans l'après-midi et il y a eu des morts. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours de dénombrer les morts. Il y a pratiquement 7 morts dénombrés déjà cette matinée. Et aux alentours de 11h, temps universel aujourd'hui, ce samedi, il y a une grande pluie qui s'est abattue sur le Togo. Et Lomé a été une fois encore victime des inondations. Et cela a donné quand même les délocalisations. Les gens de leur maison se sont sortis et se loger à la frontière des routes et des rues un peu partout de Lomé. Merci une fois encore. Merci Gabriel pour cette belle contribution. Merci encore une fois de plus des informations que vous nous amenez de Lomé Togo. Alors, Yves Kenao, Credo Emmanuel et professeur. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous avez eu des informations que nous avons eues avant de pouvoir rentrer dans le vif de notre sujet. Professeur? Oui, merci. Si j'ai quelque chose à dire, c'est pour tout d'abord remercier M. Gabriel pour le travail qui vient de nous présenter, un travail bien fait, et en même temps profiter de l'occasion pour me prononcer par rapport à ce qui s'est passé avec la PED la semaine passée, c'est-à-dire le groupe dirigé par Joseph Gali, aidé par Maître Azus à Javon, et puis à Dégli Jaiao. C'est pour dire que le Togo est arrivé à un point qui est plus sombre, n'est-ce pas, des dictatures que l'on n'a jamais connues. Parce que si désormais, les citoyens ne sont plus libres de dire ce qu'ils pensent, ne sont plus libres de s'asseoir, que ce soit dans l'église ou dans une bibliothèque ou dans un centre communautaire, ce que nous sommes, de la dérive totalitaire a été son comble. Et là, après, on revient pour dire que non, on n'aurait pas dû empêcher parce que c'était un malentendu. S'il vous plaît. Ils pensent qu'ils sont là, ils ont affaire à des gamins. Malentendu entre qui et qui. Alors, soit ils nous disent que désormais la gouvernance du pays échappe à ceux-là qui mordicus veulent s'approcher au pouvoir. Ou, carrément, ils nous disent que c'est plutôt des gens qui sont hors la loi, qui sont habillés en tenue de militaire et qui défient l'État à tout moment.
On ne peut pas avoir les deux réponses à la fois pour soi. Il faut que le gouvernement togolais choisisse ce qui se passe au juste. Lorsqu'on permet aux gens, parce qu'ils sont habillés en tenue militaire, d'aller empêcher n'importe qui de faire quoi que ce soit sur le territoire national. Les gens qui veulent exprimer un droit constitutionnel, pourtant, ce sont ceux-là qui sont en train de vouloir nous dire qu'ils sont des légalistes, ils veulent respecter la légalité telle, mais donnez-leur une virgule de la constitution, ils ne savent même pas l'interpréter. Et c'est là, moi, je suis choqué. Je m'indigne par rapport à ce comportement et j'appelle le gouvernement togolais à cesser ces actes qui ne sont pas de nature à redonner confiance au peuple togolais qui est déjà fatigué, qui attend le jour pour que ce régime-là déguerpisse, n'est-ce pas, de son perchoir, pour enfin donner la liberté tant attendue depuis 50 ans, qui a été confisquée parce que les gens sont méchants. Pendant ce temps, les gens se réconcilient à travers le monde. Et chez nous, on continue par cultiver la haine, le mépris du citoyen. On va où dans tout ça là? Nous allons où? Maintenant, je vais un peu aborder le cas du chef de puits de reproduction qui a été empêché de mener librement ses activités, que ce soit à Sokodé, à Bafilo, à Mangou, à Dapaon. Mais ils ont vu quelque chose. Ce qui m'a réjoui, c'est que le peuple togolais a dit que désormais, on ne va plus se faire piétiner. Que ce soit à Bafilo ou à Sokodé, vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens ont défié ces petits préfets-là. Ces petits préfets-là qui pensent que, parce que, à la faveur de la dictature nationale, chacun aussi peut être dictateur dans une préfecture parce qu'il le peut. Parce que si toi qui le peut impunément, il le peut légitimement. S'il vous plaît, l'impunité n'est pas une légitimité. Il faut que ces gens le sachent. Les préfets n'ont rien à voir avec les meetings des citoyens. Vous êtes là, si vous êtes là pour régler les affaires de celui qui vous a nommé, j'ai un message pour ces préfets-là. Celui-là pour qui ils se battent pour commettre ces crimes-là, et ensemble, tous ensemble, leurs jours sont comptés. D'ailleurs, nous allons voir comment ils vont se défendre lorsque les gens vont commencer par leur poser des questions par rapport à leur passé. Fort dira qu'il n'a jamais demandé à un préfet d'empêcher à quelqu'un de circuler librement. Je sais qu'il va le dire un jour. Et quant à ces préfets-là, je ne saurais le dire. À qui ils vont remettre leurs responsabilités? Moi, je ne sais pas. Alors, c'est ici le lieu de condamner ce comportement moyenâgeux de ces préfets-là qui ne savent pas le sens de ce qu'ils sont en train de faire comme sale boulot. Ils n'ont qu'à cesser et laisser les Togolais vivre librement et circuler parce qu'ils n'ont pas l'autorité d'empêcher à qui que ce soit de faire ses activités politiques ou même des activités de la société civile. Alors, à nos préfets, surtout les préfets de Bafilo et de Sokodé, ils veulent péter plus gros que l'air derrière. Ils n'ont qu'à cesser. Je m'arrête là. Merci, professeur. Emmanuel Credo, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport aux informations données par Gabriel Adona depuis Lomé et Togo? Oui, l'information qu'il vient de nous donner, ça nous rafraîchit un peu, ça nous informe plus sur la situation qui prévaut actuellement. Malheureusement, on n'est pas dans un... On n'est pas dans un état de siège où, pour quitter d'une ville à une autre, il faut passer des barrières. On dirait qu'on traverse une frontière pour aller de ville en ville au Togo. C'est très déplorable comment la situation au pays est militarisée. On croit... Et Sonna, le citoyen, qui normalement, selon la Constitution, est libre de circuler librement, on fait que le citoyen, simple, pour vaquer à ses occupations, que ce soit et politique, d'ordre d'information ou tout, devient un ennemi.
C'est un peu déplorable et j'espère que nous arriverons à une situation où le gouvernement va se ressaisir. Le gouvernement va comprendre que on ne peut pas cloisonner une population comme ça. Quelles que soient les valeurs qu'ils donnent à leur geste inhumain, ces valeurs sont vraiment archaïques et puis ce n'est pas une bonne manière de traiter un peuple civilisé. Mais espérons qu'avec l'évolution des choses, ils vont comprendre qu'on ne peut plus évoluer comme ça, on ne peut pas gouverner le Togo comme ils le font. Parce que même au temps de Yaya Déma, on n'a pas de dupé, on n'a pas vu des trucs comme ça. Moi, je l'ai toujours dit. Et les gens m'ont dit, oh, où est-ce quelles jeunes armées toi tu as fait? Et Yaya Déma a utilisé l'armée pour, en matière de dissuasion. Il n'a pas utilisé ça comme pour mater comme son fils est en train de le faire. C'est malheureux, c'est vrai, c'est malheureux que Fort, qui n'a jamais porté un treillis, il n'a jamais porté sur la service sur le drapeau, utilise des gens pour complètement décimer une population. Mais tout ce qu'il fait, un jour, cette armée va quand même comprendre qu'on ne peut plus l'utiliser comme ça. Si on voit la manière dont les choses évolueront, je ne crois pas qu'il a beaucoup encore à faire en agissant comme ça. Et prions qu'au moins il y a certains qui comprennent que cette armée est utilisée à des escients qui ne sont pas humains et qu'ils repoussent ce maire ou bien qu'ils se ressaisissent un peu. Pour l'instant, je m'arrête. Merci beaucoup. Merci, Crudo. Mon Dieu, pour l'instant, on vous arrête là, mais le débat, quant à lui, continue. Alors, mon cher Kenao, voilà un peu des informations qui nous sont venues depuis Lomé, avec en première position les trois avocats qui ont quand même mis en place un système de droits de l'homme. Il y a eu répression, il y a eu aussi la tournée de l'ANC par Jean-Pierre Fabre, une tournée qualifiée de campagne de sensibilisation. Et là, il y a eu répression, vous l'avez vu. Il y a aussi la visite de Madame Brigitte, hein, aux détenus politiques, où il y a eu aussi de l'aide pour les 14. De la coalition. Alors, au vu de tout ceci, M. Kenao, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ce sont des informations qui nous sont venues de Lomé, Togo, et c'est beaucoup important pour nous, les Togolais, nous, de la diaspora, qui regardons réellement tout ce qui se passe au Togo. Voilà, je vais commencer par les gestes humanitaire que les leaders de l'opposition ont déjà apporté. Ça, je dis que ce sont des actions qui sont tellement importantes, ce sont des actions qui sont tellement importantes que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont blessés, ceux qui sont en exil, ceux qui combattent, ceux qui sortent, ceux qui soutiennent, en voyant ces gestes de la part de l'opposition, ça encourage, ça donne beaucoup plus de ténacité, beaucoup plus d'espoir que, en fait, ce que les gens font n'est pas vain. Hein. C'est un signe vraiment très important. Ce sont des actions que l'opposition sur le terrain doit augmenter, doit faire fréquemment, hein, pour que ceux qui sortent, ceux qui marchent, ceux qui sont blessés, ceux qui sont en exil, sentent qu'il y a une communion entre eux et les leaders de l'opposition, qu'ils sentent que les leaders de l'opposition partagent leur douleur, leur sentiment. C'est vraiment un acte très important qui vient d'être posé et que je remercie tous ceux qui ont posé ces actes-là et je souhaite que ces actes-là soient multipliés très fréquemment pour que le peuple puisse sentir qu'en fait
il y a des gens qui ne disent pas de la bouche qui les soutiennent, mais il y a des gens qui effectivement les soutiennent. Ce sont des actes très 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 appréciables et très importants pour la suite de la lutte. Bon, la répression qui a suivi la tournée du président de l'ANC, ce sont des situations très déplorables. En état de droit, ces situations ne doivent pas se répéter, ne doivent pas continuer. Si nous voulons l'établissement, si nous voulons un état de droit, on doit cesser ces agissements-là. Ces agissements sont hors du état de droit. C'est-à-dire qu'un citoyen, dans un état de droit, est libre d'associations politiques, d'associations religieuses, est libre d'expression, est libre de circuler librement sur le territoire de son état. Vous comprenez? Donc, dans un état de droit... Le préfet... Non, le préfet le sait. Non, ce que je voulais dire, peut-être que le préfet a reçu, n'a pas reçu quand même... Le préfet... N'a pas signé la lettre. Non, sont des préfets zélés. Je voulais dire quelque chose. Ce sont des préfets zélés, c'est tout. Voilà. Ce n'est pas... Il n'a pas reçu de lettre. Ce sont des préfets zélés. Vous savez, l'Africain aime tellement le pouvoir, l'Africain aime tellement le poste, que certains de ces préfets se sont dit, ah, si j'agis plus, peut-être que la prochaine nomination ministérielle, ça sera moi. En fait, monsieur le professeur vient de le dire, si vous posez la question aujourd'hui à Faure, Faure vous dira, je n'ai pas demandé à un préfet d'interdire le président de l'ANC de circuler. Il vous le dira. Je sais que tous veulent des positions et ils cherchent à faire des choses aussi bien que possible, comme ça la prochaine nomination, ça puisse être eux. Mais dans un état de droit, ce n'est pas ça. Mais il y a eu un ami qui disait que peut-être que le préfet n'a pas reçu une note qui l'amène à autoriser ces manifestes. Comment on appelle cette visite? Quelle note? Le président de l'ANC ne peut pas quitter Lomé sans recevoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous savez, le ministère de l'Intérieur gère les préfectures. Ah, of course, yeah. Donc, dès que le président de l'ANC reçoit une autorisation officielle du ministère de l'Intérieur, ça couvre tout le territoire national. Ceci-là, je comprends. C'est que les gens ont voulu qu'on sache qui sont des responsables dans les... Dans ces préfectures-là, qui sont les responsables. Et c'est dangereux. Maintenant, je reviens sur le point des trois avocats. Leur sortie, vous savez, je regrette qu'ils soient menacés. Je regrette que ces avocats-là soient menacés. Mais quand on les voit, ce sont des avocats de l'ancienne garde politique. Ça veut dire quoi? Ancienne garde politique. Oui, ce sont... Ce sont les vieux politiciens. Mais les avocats qui étaient du côté des RPT Unis. Non, ce que je veux dire, tout ce monde-là, Degli, c'était un avocat, il faisait partie de la toute opposition de 90. Maître Jovi Gali, il était aussi de la toute première opposition. Monsieur Ajavon Zeus, il était aussi de la toute première opposition. C'est-à-dire quoi? C'est que toute cette classe d'opposition de la première classe des années 90, elle est vieille. On n'entend plus parler d'elle. Donc elle sort maintenant. C'est une manière, c'est une manière pour ces trois anciens avocats de dire, ah non, ne nous oubliez pas, nous sommes là quand même. Ne nous oubliez pas. Ça veut dire que nous sommes là quand même. Nous sommes là. C'est-à-dire quoi? Ne nous oubliez pas. D'accord. On n'a pas entendu. Vous savez, c'est comme le Kofi Olomide. Quand Kofi Olomide passe un certain temps, on ne parle plus de lui. Il cherche une histoire pour qu'on parle de lui. Maintenant, ils sont sortis. Nous parlons d'eux. Donc, vous croyez que les avocats ont cherché une histoire? Ce n'est pas avocat. Je dis que ceux-là, c'est l'ancienne classe politique. On ne les entend plus. On ne les voit plus. Ils ont fait leur temps. Et ils sont dans l'oubli. Une histoire pour qu'on puisse les revoir. Les revoir, c'est une manière de update yourself. D'accord. Non, ça c'est vrai. D'accord. Maître Jovi Gali, tout le monde sait. Il a été plusieurs fois ministre, il a été plusieurs fois Degli a été plusieurs fois ministre. Ajavon Zeus. Et on connaît tous.
Maintenant, qui parle d'eux? Qui parle d'Ajavon Jones? Je ne parle plus d'eux. Mais il s'est retiré de la politique. Donc maintenant, c'est une manière de revenir sur une autre forme, sur la scène politique actuelle. Et n'oubliez pas que le mois, là, ce mois de juin ou à la fin de ce mois, la CEDEAO va intervenir avec leur sortie. La CEDEAO va les associer à ça. On va arriver. La CEDEAO, on dira, il y a des gens qui ont parlé tout récemment là. Faisons appel à ces pionniers de la politique togolaise. Vous savez, la politique, si vous êtes dedans, c'est comme le show business. Hein? Update yourself chaque fois, tu seras encore d'actualité. Mais si tu te laisses comme ça, toujours, on ne parlera jamais de toi. Hein? Hein? Donc, de temps en temps, cherchez quelque chose, créez une association, faites des sorties, et on parlera de vous. Aujourd'hui, nous parlons d'eux. D'accord. Professeur. Mais seulement, je regrette la violence, je regrette les menaces. J'ai envie de demander à mon frère. Professeur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, comment on appelle, de dialogue qui a réplu à Lomé ce matin? Oui, avant ça, j'ai voulu juste poser la question à M. Yves Kenao. Ouais. Alors, est-ce qu'il veut nous dire que les trois avocats ont négocié avec les gendarmes pour que quand ils sortent, les gendarmes vont venir les mater, comme ça ils auront la popularité, c'est ça? Non, je regrette ça. Tout ce que je dis, c'est leur sortie. Oui. Oui, mais on a posé la question de savoir, est-ce que ce comportement-là, c'est ça qu'on a demandé, on veut qu'on parle de ça. C'est-à-dire que... Oh, vous voulez qu'on parle du comportement. J'ai déploré le comportement. Bon, j'ai dit que dans un état de droit, de tels comportements ne doivent pas exister. On doit poser la question de savoir s'ils ont négocié avec les gendarmes. Non, ils n'ont pas. Comment ils peuvent négocier leur malheur? Ils disent qu'ils veulent la publicité. Non, tout sauf ça. Vous ne pouvez pas chercher. Professeur, vous ne pouvez pas chercher votre. Et si vous cherchez cette publicité, vous mourrez. Hein? Comment vous allez la vivre encore? Vous ne pouvez pas. Non, je ne parle pas de ça. Non, tout sauf ça. Je parle de la sortie. Moi, je parle de la sortie. C'est tout. D'accord. Okay. Professeur, donc, allez, faites-nous le point de la CEDEAO. Je vais faire le point. Nous avons quand même appris que la commission de la CEDEAO devait être à Lomé en compagnie des émissaires, des facilitateurs du Ghana et puis de la Guinée. Et ce matin, du 2 juin 2018, et ça, la rencontre a eu lieu à l'hôtel 2 février, où cette commission-là, avec tout son groupe, a rencontrer la coalition des 14 et puis le gouvernement et l'UNIR, RPT-UNIR, et pour échanger par rapport à la feuille de route que la CEDEAO a recommandée. Vous savez que le 14 avril dernier, lors du sommet de la CEDEAO à Lomé, la CEDEAO avait pris le dossier togolais en main, contrairement à ce qui s'était passé avant le début du dialogue, et il avait confirmé les deux facilitateurs Alpha Condé et puis Nana Akufo-Addo, et en même temps avait aussi demandé à la commission de la CEDEAO de travailler ses mains dans la main avec ces deux facilitateurs afin de faire des recommandations de sortie de crise. Et je pense que ces recommandations ne peuvent pas être faites sans, n'est-ce pas, discuter avec les protagonistes de la crise. Je pense que cette rencontre aujourd'hui se situe dans le cadre de ces concertations-là, en vue de recueillir, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres. Et ces avis qui pourront faire objet d'études et qui pourront aboutir à des recommandations de sortie de crise qui seront soumises à la conférence des chefs d'État au sommet prochain et qui ne va pas tarder à arriver puisque nous sommes déjà dans le mois de juin. Le sommet qui se déroulera, je pense, à Abuja, sous la présidence de son Excellence le président du Nigeria, puisque le président togolais finira son mandat comme président de la CEDEAO. Et donc, il sera question d'informer les protagonistes par rapport à ces recommandations-là et de leur mise en application. Donc, désormais, nous savons que, comme ce fut le cas de la Guinée-Bissau, le Togo est officiellement maintenant sous, disons, le regard de la CEDEAO,
et que la CEDEAO va essayer de trouver une solution durable, adéquate à la crise qui dure depuis des années. Et je pense que cette fois-ci sera la bonne, puisque jamais la CEDEAO n'a pris, n'a donné à CEFA une telle attention particulière au problème du Togo, puisque entre-temps on nous disait « allez régler vos problèmes ». Désormais, chacun sait que nous sommes comme un corps humain, et quand votre doigt souffre, c'est tout le corps qui subit aussi les douleurs. Et donc la CEDEAO ne saurait fermer les yeux sur le problème du Togo, parce que si ça ne va pas au Togo, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et que sais-je encore ne seront pas épargnés. C'est pourquoi désormais l'autarcie est finie, l'isolationnisme est fini. C'est pas la fanfaronnade autour des États souverains comme nous sommes souverains est terminée. Souverain ou pas, les autres pays à côté ont un droit de regard par rapport à comment tu traites tes citoyens. C'est pourquoi nous sommes confiants que cette fois-ci, nous allons trouver des solutions adéquates au problème. Et tout le monde connaît le problème. Ce n'est pas que les Togolais ne s'aiment pas, c'est le problème de la gouvernance. Et je pense que la CEDEAO ne peut plus être là, observée, en spectatrice, alors qu'une partie de son peuple, puisque nous sommes une partie du peuple de la CEDEAO, est en train d'être brimée, martyrisée et humiliée à longueur de journée. Et c'est pourquoi moi je pense que la rencontre d'aujourd'hui redonne encore espoir à ce peuple-là qui avait commencé par perdre espoir, parce que entre-temps, quand le dialogue s'est arrêté, l'URPT a pensé avoir le vent en poupe. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup disent que non, seules les élections pourront nous sortir de cette crise. Et nous avons été de ceux-là qui criaient depuis là que les élections ne sont pas une solution à cette crise. Et nous voyons que la CEDEAO aussi sait que les élections ne seront pas une solution, et le RPT unir et le régime en place, tous savent que les élections ne sont pas une solution. C'est pourquoi d'ailleurs tous se sont rendus au 2 février aujourd'hui pour écouter et échanger avec les facilitateurs pour qu'enfin on puisse aussi avoir une solution durable, puisque la crise, même si elle profite pour le moment au régime en place, un jour elle ne lui profitera plus, puisque quand c'est trop, ça va affecter tout le monde. La preuve, au Conseil des ministres de mercredi dernier, le gouvernement a reconnu officiellement le déficit budgétaire qui est dû à la crise. La crise que le gouvernement a voulu lui-même entretenir à travers la violence qu'il a exercée sur de paisibles citoyens, à travers des rafles inutiles, à travers des états de siège, c'est pas inopportun, à travers le pays. Alors nous disons que la CEDEAO, du courage, et il faut une fois de plus te montrer responsable et dire que le peuple togolais ne sera plus martyrisé sous tes yeux, que trop c'est trop. Et nous sommes confiants que la solution qui va sortir, ce n'est pas une solution que nous voulons qui va, c'est pas détruire qui que ce soit. C'est une solution de salut pour qu'une fois encore, le peuple togolais puisse se réconcilier avec soi-même, pour que le peuple togolais puisse souffler un peu, pour qu'il puisse jouir de la liberté, de sa dignité qui est naturelle, que personne ne pourra en aucun cas lui enlever. C'est tout ce que nous disons. Merci. Merci, merci, professeur. Alors, mon cher Bidozer, ouais. Je crois que nous avons parlé de la CEDEAO et vous-même vous avez fait une prophétie sur la CEDEAO. Ouais. Vous avez fait une prophétie sur la CEDEAO. Ouais. Alors que nos amis parlent du fait que aujourd'hui Boiry arrive, je crois que la CEDEAO va essayer de faire en tout cas le nécessaire, c'est-à-dire, quand je parle du nécessaire, ne plus parler de sentiments, mais aller droit au but. S'il s'agit de pouvoir parler du problème d'un pays, on ne peut pas passer à travers ce problème, mais il faut trouver la solution concrète. Et le professeur dit que la CEDEAO va trouver une solution durable à la crise togolaise. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, le professeur, je ne sais pas, il a ses sources d'informations, c'est la matière qu'il enseigne. Mais
je voudrais lui dire que moi, je ne parle que selon les expériences de la CEDEAO. Qu'il souffre que je lui dise que la CEDEAO n'est qu'une ramification de la communauté internationale. La CEDEAO n'exécute que les recommandations de la communauté internationale. Tout ce que la CEDEAO a fait en Afrique occidentale jusqu'aujourd'hui ne sont que les recommandations de l'Union européenne et des autres. L'Union européenne, les États-Unis, l'ONU, tout ça là. L'Allemagne. Tout. C'est-à-dire que tout ce que la CEDEAO a fait, de la Gambie en passant par la Guinée-Bissau et aujourd'hui peut-être le Togo, ce ne sont que les choses, les résolutions de la communauté internationale. Mais voilà qu'au Togo, et l'autre fois, monsieur le professeur a dit que le groupe de 7, c'est l'exceptionnalisme togolais. Je reviens encore sur ce mot-là. C'est l'exceptionnalisme togolais. Le Togo est unique en son genre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, monsieur le professeur, souffrez encore une fois que je le dise, j'ai peur que la CEDEAO ne vienne avec des résolutions, avec une résolution que l'opposition togolaise va dire « Ah, c'est pas ce qu'on attendait d'elle. » J'ai peur. Parce que n'oubliez pas, le G5 au Togo a demandé que les partis aillent où? Aux élections. Oh, le G5, c'est qui? Ce sont les représentations directes de la communauté internationale. Est-ce que la CEDEAO va venir sans parler des élections? Je ne suis pas sûr. La CEDEAO parlera nécessairement des élections. La CEDEAO ne viendra pas dire que Faure Gnassingbé ne peut plus être président. Jusqu'en 2020. La CEDEAO ne le dira donc pas. Vous nous dites que la CEDEAO va travailler pour le régime en place. La CEDEAO va venir avec une résolution que l'opposition trouvera que c'est en faveur du régime en place. Parce que Faure Gnassingbé ne partira pas. Ça, c'est sûr. Écrivez ça quelque part. La CEDEAO ne viendra pas dire à Faure Gnassingbé qu'il ne va pas finir 2020. La CEDEAO ne le dira pas. La CEDEAO ne dira pas à Faure Gnassingbé de ne pas conduire une quelconque transition s'il y en a. La CEDEAO ne le dira pas. La CEDEAO viendra dire qu'il faut former un gouvernement d'union. La CEDEAO viendra dire ça, qu'il faut former un gouvernement d'union où tous les partis seront représentés. La CEDEAO viendra parler des élections, comme je l'ai dit. Et maintenant, le dialogue, la CEDEAO dira toujours qu'il faut que les partis en présence privilégient le dialogue. Et ça, le G5 l'a déjà dit. C'est-à-dire que moi, je ne vois que ce qui se passe. C'est le pragmatisme chez moi. Je ne veux pas, je sais que je souhaiterais que ça soit comme ça ou comme cela. Mais je me dis, qu'est-ce qui se fait dans cette globalisation des choses de ce monde? C'est rien. C'est pourquoi des fois je voudrais dire que je n'aime pas la globalisation. Je voudrais que les pays soient des pays autonomes, pas dans des groupes régionaux. Non. D'accord. Parce que l'Union européenne maintenant, l'Union européenne joue sur ces histoires de groupes régionaux. Et qu'est-ce qui se passe? Bientôt vous allez entendre en Afrique occidentale que le Togo ne peut rien faire. Parce que la CEDEAO n'a pas décidé. La Côte d'Ivoire ne pourra pas vendre son cacao au prix de la Côte d'Ivoire parce que la CEDEAO a décidé que ça soit ceci. Oh, la CEDEAO, ce n'est pas Afrique. La CEDEAO, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU, ce sont les États-Unis. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que le groupe des cinq demande à l'opposition, sinon à Lomé, d'aller directement aux élections, aux législatives. Aux législatives. Aux législatives. Voilà. Alors que nous avons ce qu'on appelle le dialogue qui est mis en exergue. Un dialogue, parce que le dialogue ne peut pas être là, et nous allons parler des législatives en ce moment. Ça veut dire que, j'arrive, ça veut dire que on demande en même temps le beurre et l'argent du beurre. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce même G5 va vous dire, en attendant de régler tous vos problèmes, de régler les problèmes d'une manière, de régler tous les problèmes, il y a certains que vous pouvez régler.
C'est que aller régler par exemple le problème du fichier électoral et aller aux élections. Et là encore, il y a un autre problème, le fichier électoral. Voilà, ils peuvent dire. Et encore, il y a ce qu'on appelle la CENI qui est en place. Tout ça là, ils vont dire aller régler ça. Vous croyez qu'ils vont régler le problème de la CENI avant d'aller aux élections? Oui. Parce que les élections, on parle de GIG. Je te dis, si aujourd'hui le G5 le confie à la CEDEAO, ça sera fait. Serge Niawa. D'accord. Parce que c'est le G5 là qui a été le premier à dire, à parler de dialogue quand tout était chaud. Les gens ont cru que c'était de l'utopie. Mais on a été au dialogue ou pas? Et c'est ce dialogue là qui continue. C'est la G5, le groupe 5 là, le G5 aussi, qui lance l'idée de choses, des élections législatives. Et nous crions comme c'est utopie. Mais je regrette. Jusqu'en août, on est dans les élections législatives. Ça, mettez ça quelque part. D'accord. On va aller du côté de Credo Emmanuel. Monsieur Credo, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Je suis avec vous. D'accord. D'accord, Credo. Oui. Nous allons parler quand même de la sortie du président de la République au moment de la commémoration des élections. Comment je peux parler ça? 58e anniversaire. 58e anniversaire. Le président, il est sorti et il a quand même parlé du dialogue. Et au même moment, il parle de la date des élections législatives qui a respecté. Est-ce que là, il n'y a pas eu une confusion? Quand on parle en même temps du dialogue, je pense qu'on devait laisser maintenant cette histoire de législative avant d'aller jusqu'à la fin de ce dialogue et trouver un consensus avant de venir parler encore de la fixation de délai de législatives. Oui, bien sûr qu'il y a une confusion. Même avant d'aller là-bas, je voulais encore revenir un peu en arrière. Parce que le frère Yves Kenao dit que la CEDEAO viendra avec une solution que l'opposition ne va pas accepter. D'abord, qu'est-ce qui se passerait si le contraire se posait? Si le contraire arrivait, si la CEDEAO venait avec une solution où c'est le gouvernement qui n'accepterait pas ça? Et de deux, le frère Yves Kenao dit que la CEDEAO, c'est un prolongement de l'ONU, l'Union européenne et tout. La CEDEAO, il y a 2 ans, a fait signer un charte à tous les partis, à tous les pays membres de la CEDEAO. Que vous voulez être membre de la CEDEAO, voilà ce que nous allons faire dans notre union. Chaque pays va accepter que les dirigeants seront élus pour un mandat renouvelable une fois, et comme ça, il y aura alternance dans le pays. Dans les pays. Quels sont les deux pays qui ont refusé? C'est le Togo et la Gambie qui ont refusé de signer cette charte. L'ONU n'était pas là. L'Union européenne n'était pas là. Ils étaient là. Quand la Gambie a refusé de signer, aujourd'hui, où est la Gambie? La Gambie est partie. Ça, c'est résolu. La dernière phase, c'est le Togo. Bon, maintenant, laissons la CEDEAO agir. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Ne disons pas que la CEDEAO viendra avec une solution qui va que l'opposition ne sera pas d'accord. On verra. D'abord, ce dialogue a été créé haut et fort. Par fort. Parce que Faure Gnassingbé a vu du dialogue une méthode, une solution pour atténuer la force de la rue. Il a bien réussi parce que la force était bien, et la rue était en ébullition. Mais dès qu'on a accepté d'aller, l'opposition a accepté d'aller, que dans le règlement intérieur, l'opposition a accepté de surseoir les manifestations, et puis le gouvernement aussi a accepté de surseoir la préparation des élections. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a recomposé la CENI, il a nommé un président de la CENI qui est le frère
du chef d'état-major des armées. C'est Katanga, qui est son frère, qui est président de la CENI actuellement. La CENI complètement est dévouée au régime en place. Maintenant, quand vous criez, voilà, on a, on veut aller au dialogue. Bon, les gens ont dit le dialogue est mort, le dialogue il est en coma, quoi. Mais laissons l'issue. Et puis, on verra la CDAO, qu'est-ce qu'elle a fait lors de ce sommet qu'ils ont fait à Lomé pour la Gambie. Ce sommet, normalement, était et consacré à la Gambie. Mais au cours de ce sommet, on a plus discuté du Togo que de la Gambie. Pourquoi Faure Gnassingbé ne voulait pas qu'on mette le problème de du Togo à la une du programme de cette réunion. Mais avec la volonté des chefs d'État, le Togo est venu à la une. Donc la CDAO a déjà fait un autre pas en désignant deux autres et en mandatant un autre président pour ajouter un facilitateur. C'est un pas. Moi, je dirais que même la réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion qui montre que nous sommes dans la bonne trajectoire. La trajectoire est bonne. C'est-à-dire, nous désirons des arbitres, nous désirons des gens qui doivent aujourd'hui venir nous donner un jugement, un résultat. Il ne faut pas les balayer, soit disant que voilà, on va aller aux élections. S'il fallait aller aux élections, pourquoi ne pas crier aux élections depuis le mois de septembre quand le frère était dans la rue? Il savait que ce n'était pas possible. On profite du dialogue pour atténuer et maintenant on veut aller aux élections. Non, c'est vraiment, vraiment un manque de respect à l'organisation sous-régionale. Et moi, je trouve que, quel que soit ce que les gens croient, que la CDAO viendra, la CDAO, mettons tous nos espoirs dans la décision de la CDAO. Parce que moi, je suis convaincu que la CDAO ne va pas prendre une décision qui a obligé la Gambie à devenir une alternance politique et maintenant maintenir une dictature au Togo. Ça ne va pas se passer. Ça, c'est clair. Maintenant, revenons au discours de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il croit qu'il est en train de diriger des bêtes. Il croit qu'il est en train de diriger des animaux. Ce gars, il va quitter le pouvoir qu'il veut ou non. Qu'il veut ou non, il n'a qu'à quitter le pouvoir. J'ai suivi avec vraiment un intérêt particulier son désir d'aller aux élections. J'ai suivi comment il fait rappeler les militaires retraités pour renforcer et mettre le Togo en état d'urgence. On dirait que le Togo est en guerre pour forcer les gens à aller aux élections. Et comme ça, quand le grand pourcentage de la population dira qu'on n'ira pas aux élections, on va prendre les militaires pour les mater. Combien de Togolais il peut tuer à la fois? Combien il peut tuer à la fois? Il y a des probabilités que quand même ils ouvrent les canons, ils posent des canons devant ce peuple à main nue, ils ne pourront même pas atteindre les 10% de la population avant que son feu ne s'éteigne. Donc, ce qu'il prépare, ce n'est plus un secret, on le sait. Il sait que le Togolais est réveillé, le Togolais ne se laissera pas faire. Laissez la CDAO prendre sa décision et essayons de nous soumettre au verdict de la CDAO. Je vous remercie. D'accord. Avant de passer la parole à Yves Kenao, je pense que nous avons perdu Gabriel. Nous continuons jusqu'à ce qu'il ne puisse nous avoir. Vous allez répondre. Après, je m'oublie. Non, vous n'allez pas oublier. Je vais vous rappeler. Pour tous ceux qui nous suivent, le thème d'aujourd'hui, c'est le plan secret du régime RPT unir vers un nouveau coup de force
chaotique. Maintenant, M. Yves Kenawo, vous avez la parole. Alors, M. Credo, je vous ai bien suivi. Merci beaucoup pour la passion avec laquelle vous êtes intervenu. Tout ce que je disais, je dis tout simplement que le Togolais n'a qu'à se préparer mentalement. Mentalement. Parce que la CEDEAO a toujours agi. Et on a vu que le Togolais se prépare pour que si demain le résultat de la CEDEAO sortait, qu'il y ait paix de choc. Qu'il y ait paix de choc. Parce que la surprise peut venir à tout moment. Je ne dis pas que la CEDEAO ne doit pas faire son travail. Mais seulement, tel que je vois la CEDEAO agir, la CEDEAO était là avant que le problème togolais ne commence. La CEDEAO pouvait intervenir avant même. Mais qui était président de la CEDEAO? Non, avant même que Fon prenne la tête de la présidence. La CEDEAO était là avant les élections, les toutes dernières élections. On vous a dit aussi que celui qui était au niveau même de la commission de la CEDEAO, c'était le chose. Donc, c'est moi. Le beau-frère du président de la République, M. Kenawo. Oui, moi. Donc comment est-ce que la CEDEAO pouvait quand même se délibérer et puis intervenir conséquemment? Moi, je dis ceci. Je me prépare au verdict de la CEDEAO. Mais tel que je vois les gens, je ne suis pas sûr si les gens se sont préparés. Au cas où on venait dire aux gens que Fonia Sembe ne va pas quitter avant 2020. Ça veut dire qu'on aura encore... Non, mais c'est une question qu'on aura encore des morts. Au cas où on vient dire, la CEDEAO vient dire que Fon ne quittera pas avant 2020. Donc, c'est pourquoi nous avons parlé d'un plan secret. Non, ce n'est pas un plan secret. C'est que je demande aux gens de se préparer pour des choses comme ça. Au cas où on disait au Togolais que Fon va diriger une transition. Vous imaginez? Alors que nous préparons les gens à croire que Fon Yassimbe va quitter avant 2020. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, je vous suis, allez-y. C'est pour ça que je dis, la CEDEAO, on ne vous montre pas, monsieur Credo, ce que vous voyez là, c'est l'iceberg que vous voyez. La CEDEAO est financée à 100% par l'Union européenne, puisque l'Union africaine elle-même est financée à 100% par l'Union européenne. La CEDEAO ne fait rien sans l'Union européenne. Mais nous ne voyons que les présidents africains là se réunir et dire ceci, dire cela. C'est pourquoi moi je dis, je ne dis pas ce que les chanceleries font, mais je vous dis ce que se fait sur le terrain. La CEDEAO, c'est composé des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest. Mais toute décision, le financement, tout, ça vient de l'Union européenne, ça vient de l'étranger. En fait, la CEDEAO n'est pas africaine. D'accord. L'Union africaine n'est pas africaine. Mais je demande aux Togolais de se préparer. Ça peut aussi arriver du côté du gouvernement. Qu'on dise que Fon Yassimbe ne finisse pas 2020. Ça peut arriver. Que de ce côté aussi, que les gens se préparent mentalement. Flo doit aller en 2020. Qui ne doit pas dépasser 2020. C'est ce que je veux dire. Tu comprends? Donc, je comprends ce que M. Credo dit, je le comprends, mais est-ce que lui, personnellement, en pensant de la façon dont il pense, il est libre, hein? Est-ce qu'il n'aura pas un choc si la CEDEAO vient lui dire que Fon ne quittera pas? Ça va créer tout simplement de la boucherie au niveau... Au niveau des gens voilà. Et comment ça va se passer? Ça dit que... Oh, les gens seront mécontents. On va couvrir... Les gens seront mécontents de la décision de la CEDEAO. Les gens vont sortir dans la rue. Les militaires vont mater. Et tout ça, là, c'est un cafouillage. Je crois que Credo entend, il va intervenir. Voilà. Donc c'est pour ça. Secret. Moi, je ne dis pas d'aller directement... Je ne parle pas des élections, mais je demande aux gens de se préparer au cas où on arrivait là. D'accord, on va aller... Je ne demande pas qu'on aille aux élections, mais je me prépare. Parce que je ne veux pas être surpris, je ne veux pas un choc, quelque part. Ça veut dire que vous vous préparez... Pour les deux. Quand on vous annonce ce soir, l'opposition soit de l'autre côté...
Vous n'êtes pas surpris, oui. Donc vous faites avec. Avec. D'accord. On m'annonce du côté du gouvernement, je ne suis pas surpris, je fais avec. Alors que nous savons que le gouvernement a été au pouvoir depuis combien d'années? Plus de 52 ans. Si jamais le mandat du président est rempli. De quel président? Non, je parle de Florian Philippe. Faire tout ça maintenant. Voilà. Non, nous calculons le total même. De la famille? De la famille. Ok, ok, ok. D'accord, ok. On va aller du côté de professeur avant d'aller sur Kedo Emmanuel qui est en train d'attendre parce que M. Kenawa a quand même parlé de cette CEDEAO. Si jamais elle venait déclarer forfait M. Faure, voilà ce qui va se passer. Professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne parle de quelque chose bien sûr d'un autre oui. point? Je voudrais d'abord, regretter un peu les affirmations selon lesquelles c'est l'Union européenne qui finance la CEDEAO, c'est l'Union européenne qui finance l'IA. Je me porte en faux par rapport à ces affirmations-là. Le Nigeria, c'est le plus grand donateur de la CEDEAO. Si M. Evikinaou m'avait dit que c'est le Nigeria seul qui finançait la CEDEAO, j'aurais pu me réjouir par rapport à ça. Mais me dire que c'est l'Union européenne qui finance la CEDEAO à tout moment et à 100%, là je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est vrai que de temps en temps, l'Union européenne aide, mais ce n'est pas le financier principal de la CEDEAO. Il faut que cela soit clair. On peut aller faire des recherches, fouiller des archives et revenir. Je sais que la CEDEAO n'est pas financée à 100% par l'Union européenne. Ça, ce n'est pas possible. On peut se mettre dans le sillage de l'Union africaine qui est financée par l'Union européenne et puis les États-Unis. Quel que soit ce que vous citez, la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO ont leur contribution chaque année. Et c'est ces contributions-là qui permettent à la CEDEAO de fonctionner. Mais c'est le Nigeria qui donne le plus. C'est comme l'ONU. C'est comme l'ONU où les États membres donnent quelque chose, mais il y a des États riches qui donnent beaucoup. On le sait. Mais on ne peut pas me dire que bon, c'est tel qui... Non. La CEDEAO s'autofinance. Mais de temps en temps, elle a recours à des aides lorsqu'il y a des crises où il faut déployer des militaires, tout ça là. On demande l'aide, l'assistance militaire des pays de l'Union européenne, des États-Unis pour le faire. Mais pas dire que, on ne peut pas me dire que la CEDEAO, parce qu'elle est. Non. Si la CEDEAO se laisse manipuler, c'est pas parce qu'elle est financée par l'Europe, c'est parce qu'elle est composée de certaines personnes qui veulent, je sais pas, jouer comme dans un syndicat. Ce qui est en train de finir d'ailleurs, parce que depuis un certain temps, au sein de la CEDEAO, le pouvoir à vie a commencé par faire place à un pouvoir rotatif, où les gens reconnaissent que lorsque je gère le pays pendant deux mandats, il faut céder la place à un autre fils digne pour qu'il vienne faire ce qu'il veut, et il peut faire, et il va donner à son tour, laisser sa place à un autre. C'est parce que le Togo est demeuré, c'est pas le seul pays, comment la perte, la honte de la CEDEAO que nous parlons. Sinon, c'est fini cette histoire de mandat, trois mandats. Les Sénégalais nous ont dit que chez eux, il n'y a pas le vocabulaire le troisième, vocabulaire comme troisième mandat n'existe pas. Donc ils ne savent pas faire un débat par rapport à ça. Au Niger, je vous rappelle, tout récemment, on a arrêté certains jeunes, le président. En exercice, qui est au pouvoir maintenant. Il a fait arrêter certains jeunes parce que ces jeunes ont osé sortir manifester qu'ils veulent, comme quoi ils veulent que le président fasse un troisième mandat. On les a arrêtés parce que c'est une honte. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand ils sortent pour dire on ne veut pas de troisième mandat, c'est toi qu'on amène en prison. Le cas de Eza, Kokoroko, le cas de Asiba, tout ça, la sort là. On les gère à côté. Les jeunes ont dit on veut que le président fasse un troisième mandat, on les a arrêtés. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est ceux-là qui vont dire on veut un quatrième, cinquième, sixième mandat. C'est ceux-là qui reçoivent les mallettes d'argent pour aller boire et faire du n'importe quoi dans la vie. C'est pour dire que la CEDEAO, moi je la veux indépendante. Et je crois toujours à cette organisation. Il faut savoir que la CEDEAO a changé, hein. Il y a beaucoup d'évolutions qui se perdent au sein de la CEDEAO. Lorsque ce président à vie dinosaure parte, c'est fini. Vous allez voir à la CEDEAO une institution responsable. Donc le dernier rempart, le dernier verrou
de cette pagaille-là, c'est Fort Yassigbé. C'est pourquoi nous sommes confiants que les 15 autres chefs d'État de la CEDEAO ne vont pas vouloir deux mandats chez eux et venir soutenir un quatrième mandat au Togo. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi moi j'ai dit que si la CEDEAO arrive à imposer des élections dans les conditions actuelles au peuple togolais, c'est, le peuple togolais n'aura que ses yeux pour pleurer, puisque il aura été responsable. La CEDEAO ne pourra que suivre le vent là où le peuple togolais est. La CEDEAO ne peut pas venir me dire que après les sondages d'Afrobaromètre qui ont dit que même au sein de l'union RPT du régime cinquantenaire, 53% veulent le changement au sommet de l'État. Et de l'autre côté, dans la majorité de la population togolaise, 87% veulent un changement à la tête de l'État. La CEDEAO ne peut pas demeurer sourde par rapport à ces réalités-là. Vous savez quoi? Les réalités sont têtues et elles s'imposent à tout le monde. Alors, quelle que soit la volonté de la CEDEAO de vouloir faire quoi que ce soit, la vérité n'a pas de couleur. Même si vous allez en Chine, ce qui est vrai au Togo sera vrai en Chine, à moins qu'on ne puisse trouver des subterfuges pour pouvoir camoufler la vérité. Sinon, la vérité, elle paraît partout. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'au Togo, il y a eu une famille qui a régenté un pays pendant 50 ans. Le peuple est fatigué. C'est la vérité qui est universelle maintenant. Tout le monde doit apprendre à l'accepter comme universelle. C'est ce que nous demandons. Alors, j'ai dit que la CEDEAO ne va pas venir donner une décision qui va dans le sens de pérenniser un régime sclérosé, un régime qui s'agrippe au pouvoir comme une chauve-souris. Cela ne va pas se passer. Alors je dis, si jamais une décision contraire venait à nos attentes, c'est le peuple qui va dire non. Je vous ai déjà dit que Macky Sall, en 2015, lorsque les Diendéré ont fait leur coup d'État, Macky Sall a pris son avion. En ce moment, il était président de la CEDEAO. Il a atterri à Ouaga. Il a invité les forces vives de la nation, l'opposition et consorts. Il leur a dit, vous savez, laissez Diendéré finir la transition, même 3 mois, tout ça là. Quand le peuple a dit niette, je vous ai dit que jusqu'alors, personne ne sait quel avion Macky Sall a pris pour retourner. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas de me poser la question de savoir finalement il a pris quel avion. Il est parti sur la pointe des pieds. Quel avion il a pris? Il est reparti sur la pointe des pieds. Alors moi je vous dis que la CEDEAO s'est observée. Elle a tout vu. Et si elle veut la paix dans toute la région, il faut que la paix naisse et vienne au Togo. Et la paix ne viendra au Togo que à travers, n'est-ce pas, le départ, ou d'ailleurs, à travers, n'est-ce pas, le non-quatrième mandat de Fort Yassigbé. C'est-à-dire que le départ de Fort Yassigbé est dans quelques conditions qui seront négociées. Mais si la CEDEAO vient nous demander, dans les conditions actuelles, d'aller encore aux élections, avec une CENI inféodée, avec une cour constitutionnelle inféodée, avec une armée qui est inféodée, avec toutes les institutions au mains d'un seul individu, mais donc la CEDEAO serait devenue folle. Alors là, elle n'aura plus du respect. C'est pourquoi nous croyons notre institution régionale. On a aussi parlé des groupes des 5 et consorts, s'il vous plaît. Ce groupe de 5-là, eux autres, pour pouvoir préserver leurs acquis, leurs intérêts, ils ne pourront jamais vous demander de vous libérer de l'emprise de la dictature, puisque c'est la dictature qui les bénéficie. Alors, je dis une fois encore que ce groupe de 5-là se mettra de côté lorsque le peuple dira non à toute tentative, n'est-ce pas, d'imposition de quelque élection que ce soit dans les conditions actuelles. C'est tout. Alors, ce que le groupe des 5 ne veut pas faire, ne veut pas voir chez lui, il ne pourra pas l'imposer encore aux Togolais. Cela, c'est fini, ça. Le passé, c'est le passé. Nous osons croire que nous sommes suffisamment avertis. Comme je l'ai dit, moi, j'ai eu à le dire, du début au lendemain de la révolution du 19 août, j'ai eu une interview là sur radio à vous l'été. J'ai dit que ce qui me donne espoir, c'est que le peuple togolais a pris une conscience collective. Et tu la lis, cette conscience collective-là, tu la lis sur le visage de tous les Togolais, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays.
Le Togolais est désormais prêt. Il s'est dit que je ne me bats pas pour M. Credo, ni pour M. Yves Kenaou, ni pour Moussa Issifou. Non, je me bats pour moi-même. Et en même temps, je me bats pour mon peuple. C'est pourquoi je dis que tous ceux-là qui sont autour là, s'ils ne peuvent pas nous aider, on leur dira, carton rouge, ils n'ont qu'à aller s'asseoir. Nous allons faire notre travail. D'accord. Et nous allons nous libérer. C'est tout. D'accord. Carton rouge. Merci. Merci, professeur. Alors, du côté de Credo. Alors, Emmanuel Credo, la constitution togolaise actuelle prévoit qu'en cas de crise, les mandats en cours peuvent être prolongés. On a eu au total 27 dialogues aujourd'hui, ça fait le 28e dialogue. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prolonger le mandat des députés et puis on veut aller aux élections rapidement? Qu'est-ce qui est dans toute cette machination? Oui, ce qui est dans cette machination, c'est que on sait qu'avec les listes que nous avons, et le FPT rassurera encore les sièges au Parlement et il dira que nous avons la majorité. Moi, je lance un défi à toutes les institutions de la communauté internationale qui veulent qu'on laisse passer le dialogue et qu'on aille aux élections. Prenez le devant. C'est comme la PED, l'Association des avocats, qu'on qualifie d'avocats de la vieille garde. Ce sont eux qui étaient devant, ouais. Ils ont fait une proposition de sortie de crise. Ils sont togolais. C'est pas parce que l'âge est avancé qu'ils n'ont plus leur mot. Ils sont là, ils sont pas dans la tombe. Il y a des vieux dans le FPT Uni qui toujours conseillent sur la forme assignée. Pourquoi Jovi Gali? Pourquoi Jean Adabon? Pourquoi Degri n'ont pas à apporter leur pierre pour la contribution d'une solution pacifique? Ceux qui, les institutions internationales, qui disent voilà, allons aux élections, pourquoi demandez-leur de prendre les élections en charge, de ne pas prendre cette CENI qui est une CENI corrompue, faire reviser la liste électorale et puis superviser les élections. On va voir qui va gagner. Même toi, on peut se représenter en 2020. Si c'est juste, il n'aura pas 10% des voix. Il n'aura pas. On a vu une fois, en 2005, il a marché sur des cadavres pour forcer et devenir président. En 2010, on a vu les militaires courir avec les jumes devant à la télé. En 2015, on n'a pas encore prononcé les résultats. On n'a pas encore. Toutes les séries n'ont pas. Le dépouillage n'ont pas fini. On a arrêté les choses. On a annoncé les résultats. Fort à 60 combien de pourcents? Dis-nous, dis-nous, break. Le gars-là ne peut jamais être battre à une élection si l'élection est libre et transparente au Togo. Donc, je reviens à votre mot, à votre question. Yes, on dit que en cas où les élections n'ont pas pu être organisées, le Parlement reste et en fonction jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Mais là, qu'est-ce qui force l'organisation des élections? Pourquoi veut-on forcer ça? On veut forcer ça parce qu'on veut tricher. On triche pour se maintenir au pouvoir. Avec un Parlement, on va essayer de forcer pour les présidentielles en 2020 et on est reparti pour un mandat de 5 ans renouvelable et pourquoi pas encore renouvelable. Non et non. Je crois que cette fois-ci, ça ne marchera pas. Ceux qui veulent qu'on aille aux élections, oui, acceptez, mais prenez la charge d'organiser, de superviser, de tout. Et tout avoir ces élections en main, et puis on va voir qui va gagner les élections.
Donc, cette question où le RPT veut faire une course rapide aux élections, c'est parce qu'il sait qu'en allant aux élections, ils ont gagné, ils ont la victoire avant même qu'on dépose la balle au centre pour signer le coup de départ. C'est comme ça, c'est pourquoi ils veulent ça. Ben, j'espère que ces calculs ne vont pas être acceptés cette fois-ci. Donc, je vous remercie pour ça. Merci, Credo. Merci. Alors, mon cher Yves Kenao, nous savons aujourd'hui, vous avez dit que les élections législatives, c'est constitutionnel, donc il faudrait que ça soit respecté. Il faudrait que ça soit organisé. Vous êtes pour cela. C'est bien dit. Maintenant, nous savons qu'il y a une structure qui organise ces élections, la CENI. Oui. Cette même CENI n'a pas changé. Et c'est elle qui revient à l'achat, qui va organiser les mêmes élections. Monsieur Kenao, est-ce que on aura une transparence au niveau des résultats qui seront donnés pour que les Togolais ne vivent plus cette catastrophique, comment on appelle, imaginaire, hein, voilà, de mort ou bien je ne sais pas, je ne sais quoi. Voilà. Vous avez bien fait de poser, vous avez très bien fait de poser la question. Je sais que beaucoup qui m'ont suivi, beaucoup n'ont rien compris de ce que je disais. Qu'est-ce que vous avez dit? Je parle de la constitution. Tous ceux qui ont suivi l'émission du mardi passé n'ont pas compris en réalité ce que je disais. Je vous dis ceci. Organiser les législatives dans le délai, je dis, dans le délai, est une obligation constitutionnelle. Ça, c'est le principe de base. Mais l'exception, c'est que au cas de crise, au cas d'empêchement, les institutions en place peuvent rester. C'est là que je vous dis que c'est une exception. Ce n'est pas en temps normal. Oui, mais la Constitution elle-même le dit. Ce n'est pas en temps normal. Donc, organiser les élections dans un délai, c'est une obligation. Mais le danger, c'est que vous ne comprenez pas. Politiquement, les acteurs politiques jouent sur ce rôle pour demander, pour empêcher l'organisation des élections législatives comme présidentielles. Le même principe se joue au niveau du président de la République. Oui, mais si on a en même temps le dialogue et arrive, même on peut avoir le dialogue, on peut avoir le dialogue et organiser les élections. Vous y croyez? J'y vous crois. Y croyez? J'attends, j'y avec crois. Avec la même CENI? J'ai dit non, pas avec la même. C'est pourquoi vous n'avez pas suivi. D'accord, subi. Allez-y. Non, dans mon subi. Raisonnement, mais j'ai bien dit. Non, c'est clair. Dans mon raisonnement, voilà. J'ai bien dit que la CEDEAO viendra avec une résolution demandant aux deux parties de reconstituer la CENI. D'accord, de reconstituer la CENI. Quand je dis reconstituer la CENI, c'est-à-dire que les postes, l'organisation de la CENI soit congéniale entre l'opposition et le parti au pouvoir. Que la liste, que le fichier électoral soit revu. Voilà. J'ai bien dit. Parce qu'il y a une fraude massive qui... J'ai bien dit. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au même moment où on est en train, dans le dialogue, de résoudre... Mais ce fichier électoral n'a jamais été repris. C'est ce que j'ai dit. Si bien que les morts même peuvent aller voter. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit. La CENI serait réorganisée avec la participation totale et effective de l'opposition et du gouvernement en place. Le fichier électoral, si ça pouvait se passer, le fichier électoral doit être revu. Et maintenant, ces histoires, les prisonniers politiques, libérer totalement. Vous comprenez? Quand ces conditions-là sont remplies, les autres points-là, on peut les régler progressivement. Par exemple, le mandat, on décide de régler le mandat. Le problème du mandat, c'est que de 2020 là, est-ce que Faure va aller en 2020? Faure ne va pas aller en 2020. Si on commence par ça, même la CEDEAO ne trouvera, ne bougera même pas d'un seul pouce. Donc, ces petits trucs-là, on peut demander aux deux parties de s'entendre sur des points, même fixer la date électorale. Elle doit être une date commune.
de l'opposition et du parti au pouvoir. Vous comprenez? Tout ça, la révision des listes électorales, la CENI, le fichier électoral, tout ça là, c'est une décision collégiale qui doit se faire. C'est ce que je dis. D'accord. Dès que ça s'est fait, c'est bien possible d'organiser les élections. Et les autres points du dialogue seront débattus. D'accord. Récemment, le président de la République... on ne peut pas. Il y a eu un communiqué qui a fait que... Voilà, laisse que je termine. Vous voyez le danger. Le danger quand on joue trop sur l'exception du respect du délai. Tu sais ce qui se passe politiquement? Votre adversaire peut, par des actions dilatoires, si vous, au pouvoir, vous n'êtes pas malin, il peut vous amener à ne pas tenir à ce délai constitutionnel. Et vous savez ce qui va se passer? Si l'opposition est rigide, elle va vous dire, écoutez, vous avez dépassé le délai constitutionnel. Vous savez le cas du Togo, le danger? S'il faut n'organise pas les élections, je vous dis, notez ça quelque part. Deux jours après, la même opposition togolaise va dire l'Assemblée nationale est illégale. Mais pourquoi ils peuvent dire que l'Assemblée nationale est illégale dans la mesure où la Constitution déjà dit que si les élections ne sont pas, il y a des problèmes, on peut prolonger les élections. Et ça aussi, ce sont des arrangements politiques. Mais l'opposition qui est là, ce n'est pas une opposition qui est, c'est une opposition je vais te donner un exemple. Chez vous, en Côte d'Ivoire, en 2000. Quand Gbagbo a évoqué que le pays était en guerre, qu'il ne pouvait pas, le pays était divisé, c'est ce qu'il a évoqué, qu'il ne pouvait pas organiser les élections. Tu sais ce qu'on lui a dit après? Logiquement, la Constitution ivoirienne l'a prévu. Tu sais ce que les opposants... Par l'article 48 qui dit... Tu sais ce que les opposants, les Ouattara en ce temps, tu sais ce que les Ouattara lui ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il est illégitime. Non mais écoutez, la Constitution, Monsieur Gbagbo, il a dit qu'il est légitime. La Constitution, et qu'il voudrait s'éterniser. Et c'est la Constitution qui a voilà. fait là. Voilà. Mais ils n'ont pas. Mais cette même Constitution, c'est à travers cette même Constitution, Monsieur Ouattara a été candidat. J'arrive. Je vous le rappelle. Ouais, non, je sais. Voilà. J'arrive. C'est pour te dire que le gars a utilisé la Constitution pour vouloir ramener la paix dans le pays avant l'organisation. Mais elle a été violée par d'autres personnes. Elle a été violée par d'autres personnes. Donc les gens lui ont dit, ah non, il est illégitime parce que le délai est dépassé. Au Togo, qui viole la Constitution? Au Togo, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui viole la Constitution? Je ne sais pas. D'accord. S'il faut que nous ne les organisons pas, je te dis qu'il serait un problème. À moins qu'il s'assied encore avec l'opposition pour déterminer il aura quel problème. Si tu ne les organises pas, tu dois t'asseoir avec l'opposition et avoir un compromis politique. Mais si la Constitution, il n'y aura pas de problème. Il y aura de problème, monsieur Serge. C'est la Constitution, c'est l'exception. La carte d'identité du pays, d'un pays. Donc, va demander à tout constitutionnaliste, il te dira. C'est que l'exception là, vous allez rester. Bon, dites-moi, si vous ne vous restez pas, la Constitution n'a pas prévu en quel moment les élections législatives seront organisées. Est-ce que la Constitution a prévu ça? La Constitution n'a pas prévu. D'accord. Donc c'est en ce temps que les politiciens s'asseyent pour déterminer le délai de ce report-là. D'accord. Voilà. Je crois que c'est compris. On va aller du côté... Non, vous n'avez pas compris. Vous situez tout sur le plan politique. Non. Moi, je m'ingère dans la Constitution. Non. Pour moi, c'est la Constitution. La Constitution ne dit pas... La Constitution ne t'a pas dit jusqu'à quand. La Constitution, elle ne dit pas simplement... Elle ne dit pas jusqu'à quand même. Voilà. La Constitution. Alors donc, vous allez me dire que ça sera un report éternel. Oui, mais en 2013, la Cour constitutionnelle... La Cour constitutionnelle du Togo a prolongé le mandat de l'Assemblée nationale, des députés de l'Assemblée nationale. C'est justement ce que je dis, c'est un compromis. Cette même Cour constitutionnelle peut, parce que c'est la Constitution. C'est la Constitution. Qui l'a saisi? Oui, mais écoute, même si on ne l'a pas saisi, il y a un problème dans un pays. Il faudrait qu'elle s'auto-saisit. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, que politiquement, vous parlez politiquement, constitutionnellement, il faut que les gens là s'asseyent. Il y a... Il y a le chef d'état-major... Ouais. Monsieur Félix Kadanga, qui a rappelé les anciens militaires qui sont retraités.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que le Togo. Aux États-Unis, nous appelons les réserves. Monsieur Kenao, écoutez. Alors que le Togo, il n'y a pas de guerre au Togo où on rappelle les anciens militaires pour venir encore sur les drapeaux. Qu'est-ce qui est en train de se tramer dans le fond des choses? Demandez à M. Kataga. D'accord. On va aller du côté de professeur. Après, monsieur, qui devra prendre la parole. Professeur, est-ce que vous êtes là? Je suis là, en chair à nous. Merci. Alors, Kataga. Vous avez la parole avec monsieur Katanga. Ouais, s'il vous plaît. Monsieur le professeur, est-ce que vous avez compris la question? Ouais, non, de vous poser la question. Ouais, ouais. D'accord. Le général Katanga, chef d'état-major, général Katanga, Félix, a rappelé dans un communiqué que rappeler les anciens combattants, je ne dirais pas les anciens, ce sont les anciens militaires qui ont été retraités. Ils ont été rappelés. Alors ce rappel, qu'est-ce que ça nous dit? Et leur salaire, en même temps, ils ont leur salaire. Et la suspension de leur salaire de retraité est là. Ouais. Le salaire de retraité est complètement suspendu. Alors qu'est-ce que ça nous dit en rappelant aujourd'hui les militaires qui sont rappelés, qui sont à la retraite, alors qu'il n'y a pas de guerre au Togo? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se prépare? Oui, ça veut dire deux choses. Vous savez, j'ai toujours dit que quand un bébé dit « ma maman ne va pas dormir aujourd'hui », il faut que le bébé aussi s'apprête à passer une nuit blanche. Est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit? Oui. Alors, moi, je vois deux choses par rapport à ce rappel-là. La première hypothèse, c'est que ces jeunes-là, la plupart de ces jeunes retraités en 2017, ils ont 39 ans, 40 ans. C'est-à-dire que c'est au moment où ces gens-là devaient commencer par travailler en tant qu'homme valide. C'est à ce moment-là qu'on les a retraités. Donc, ces gens-là, ils sont à la retraite. Ils n'ont rien à faire, ils sont désœuvrés, ils sont tous à la plupart font encore Zemidia, ils sont jeunes. Le RPT a peur que ces gens-là ne puissent rejoindre le groupe du peuple qui est en train de réclamer pour précipiter sa chute. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse rejoint celle des autres, peut-être qu'ils veulent les utiliser pour mater le peuple en cas de choses. Donc les deux hypothèses ne sont pas exclues. Le RPT sait que ces jeunes-là, normalement, c'est à ce moment où nous parlons qu'ils devaient servir mieux le pays. Mais ils ont été jetés à la retraite et on leur donne des miettes qui ne sont pas suffisantes. Vraiment, on le sait. C'est des gens qui, des fois, sont obligés de quémander pour pouvoir s'occuper de leur famille. Donc, ils savent, ces jeunes soldats savent là où se trouve le problème. Si le Togo avait été un État démocratique, même dans leur retraite là, ils devaient avoir des métiers. Certains devaient retourner à l'université, à l'école. Comment le faire? En tout cas, c'est ce que nous proposons au peuple togolais. Quand le changement arrivera, le jeune soldat ne prendra pas la retraite à 40 ans pour aller rester à la maison. Non! Nous allons tout faire pour qu'ils retournent à l'école, afin qu'ils puissent encore se former davantage, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, le RPT ne veut pas voir ça. Donc, il a peur que ces jeunes-là ne puissent rejoindre le rang des démocrates, le rang du peuple souverain qui est en train de réclamer sa souveraineté. Donc, il veut les avoir au camp pour les surveiller. La preuve, on leur demande de venir chaque matin. Ils sont là à midi, on leur dit d'aller manger, d'aller retourner chez eux manger, et ils reviennent, c'est comme s'ils vont à l'école. Ils n'ont rien à foutre. Ils sont là, on les surveille. Moi, j'aurais été ces jeunes-là que je ne vais pas me rendre à ces rendez-vous-là. Il faut boycotter ces rendez-vous-là. D'ailleurs, c'est un message officiel, fraternel que je leur lance. Il ne faut plus accepter d'aller se faire superviser. Vous n'êtes pas des bébés pour qu'on vous supervise. Allez vaquer librement vos occupations et continuez votre vie comme si de rien n'était. Il ne faut plus vous soumettre. Vous êtes libéré, il ne faut plus vous ramener dans l'asservissement, dans la servitude. Ce n'est pas bon. Alors, ces jeunes soldats qui m'écoutent, je vous demande en tant que frère de ne plus aller au camp, de boycotter ça. Parce que le Togo n'est pas en guerre pour qu'on dise qu'on a besoin de vous. On vous amène là-bas pour vous surveiller, pour vous perdre le temps.
Il faut rester chez vous et continuer par vivre libre, parce que vous êtes désormais libre. Vous n'obéissez plus à quelconque ordre qui vous demande d'aller mater vos propres parents. Ne le faites pas. Alors je vous dis que ben, il a beau rappeler les retraités, tout ça là, c'est qu'il a peur que ces retraités là ne puissent se retourner contre le régime. C'est la raison primordiale, principale. Maintenant, il peut dans la foulée trouver certains parmi eux qui vont aussi se rendre comme coupables de la barbarie dont nous avons l'habitude dont le peuple a l'habitude d'être objet. Et ils vont s'associer à cette barbarie-là pour aussi faire le travail. Mais la majorité de ces jeunes-là ont compris le jeu. On ne peut plus blaguer avec eux. C'est pourquoi, au lieu de les laisser libres, il faut les ramener sous soi pour pouvoir les surveiller afin qu'on puisse rapidement étouffer quelques velléités de support au peuple, de soutien au peuple. Moi, je pense que c'est ça la raison principale. Maintenant, il peut y avoir une raison secondaire qui est, comme je l'ai dit, d'aucuns pourront être utilisés dans la répression. Mais je sais que cela n'aura pas lieu, puisque très prochainement, nous aurons le bout du tunnel, on le verra, nous allons crever l'abcès, et puis c'est fini, on va continuer. Alors j'ai dit que M. Katanga a beau rappeler les officiers ou bien les soldats du rang, ces soldats-là ne sont pas avec eux, ils le savent bien. Ils ne sont plus avec eux. Les soldats là sont avec leurs parents, avec le peuple qui les aime beaucoup, le peuple qui leur promet déjà un avenir meilleur, comme je l'ai dit. Désormais, sous la nouvelle gouvernance, aucun soldat ne prendra sa retraite à 40 ans et aller encore faire Zemiga. Il va retourner à l'école pour se former et pour pouvoir être utile à sa famille. C'est ce que nous promettons à l'armée togolaise. Merci, professeur. Je crois que Credo attend impatiemment. Monsieur Credo Emmanuel, oui. J'ai écouté avec M. Katanga dans un communiqué qui a rappelé quand même les anciens retraités de l'armée. Qu'est-ce que cette décision vous signifie? Oui, je trouve que les deux thèses que le professeur a énumérées, elles sont les plus probables. On sait que au Togo, selon le règlement de l'armée, un homme de troupes qui rentre à 18 ans, il fait 20 ans, il peut être admis à la retraite. Si tu es un sous-officier, tu fais 25 ans, supposons que tu as été engagé à 18 ans ou bien à 20 ans, à 45 ans, tu es à la retraite. Si tu es un officier subalterne, 30 ans, les officiers généraux vont entre 35 et jusqu'à 40 ans. Les gens sont encore à la retraite, mais actifs, peuvent faire beaucoup de choses. Donc, ce qu'on empêche ces gens de faire, c'est d'être récupérés par l'opposition. Ça, c'est un. Et puis, maintenant, de deux, de les utiliser pour les basses besognes. De trois, et il y a eu un mécontentement au niveau de l'armée. C'est-à-dire qu'avec toutes les manifestations qui se passaient, on appelle ce qu'on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle la disponibilité opérationnelle, où les gens sont consignés au camp. Les camps sont souvent consignés. Quand on consigne les camps, les soldats, les sous-officiers, tout le monde est obligé de répondre à des appels réguliers et ils ne peuvent pas vraiment vaquer librement à leur occupation. Donc, pour pouvoir faire une rotation et créer des équipes de rotation, ils doivent augmenter le nombre pour qu'à chaque fois, ils aient des gens sous la main. Étant donné que ces jeunes, tous ceux qui ont été admis en 2017, sont encore robustes et qu'on peut leur demander de se plier au règlement militaire. Ça, il y a une chose que je vais dire, et quand on part à la retraite, on signe un engagement où, à moins que tu ne quittes le pays, tu ne peux pas refuser de te présenter au drapeau si on t'appelle. Si tu fais ça,
comme je le dis, à moins que tu aies quitté le pays, on peut même couper ta pension. On peut même couper ta pension. Ceux qui sont là, ce n'est pas qu'ils le font par désir. Ils sont obligés de le faire par soldats, par obligation, pour gagner leur paix quotidien. Et en même temps, ce n'est pas eux tous qui sont contents de retourner sous le drapeau pour servir ces petits mois. Il y a des gens, bien sûr, ce n'est pas tous qui font que du immigrants. Il y a des gens, par exemple, moi, dans l'aviation, il y a des gens qui ont des professions techniques et ils gagnent 4-5 fois de ce qu'ils gagnaient dans l'armée quand ils sont devenus civils. Ça, là, ils doivent le mettre en jacet et puis maintenant se contenter d'une pension. Donc, moi, le plus gros du truc, c'est qu'ils veulent avoir le maximum d'hommes en main pour pouvoir intervenir et faire et réaliser leur programme qui est en cours, c'est-à-dire soi-disant empêcher ceux qui veulent mettre les bâtons dans les roues aux élections, de ne pas pouvoir le faire. Comme ça, pour cette protection, on prend des militaires pour massacrer et pour faire. Donc ça, c'est une des premières missions que moi je crois que cette force va faire, puisque c'est bien limité à 6 mois, et 6 mois, c'est le délai qui va jusqu'à ce que le gouvernement appelle pour les élections. On attend toujours qu'on nous donne une date. Moi, je trouve que ça fume. Il y a de la brûlure. Ça brûle parce que ça sent mauvais. On n'est pas en guerre. Pourquoi ramène-t-on l'effort de réserve, comme vous le dites, parce qu'il y a Anguille Touros. On verra. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Claude Manuel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Kemao? Je vous ai dit peut-être que. Et j'ai dit que M. Kataga est le seul, le général, comment on appelle, le chef d'état-major est le seul à savoir les raisons qui l'amènent à faire revenir ces anciens militaires-là. Moi, je dis honnêtement, c'est en temps normal. Ça ne serait pas de la Cibalo, hein? Non, en temps normal. Bien de la Bavière. Non. En temps normal, on n'a pas besoin de ce rappel. Hein? Les réserves, comme on les appelle aux États-Unis ici, les réserves, on ne les appelle pas. Parce que l'administration territoriale, on les appelle pas aussi menacés que ça. C'est ce que je dis. On ne les appelle pas tout le temps. Il n'y a pas calomnie naturelle. Mais il n'y a pas. Il n'y a rien. Voilà. Bon, il les appelle, je ne sais pas. Peut-être qu'il a d'autres informations stratégiques. Et que bon, moi je n'ai d'autres pas. Intentions. Oui, il a peut-être qu'il a des informations qui lui permettent de décider. Peut-être qu'il veut être proactif. Il veut être proactif et être en avance sur certains événements que lui il sait qui vont arriver. Mais en temps normal, en toute honnêteté, on n'a pas besoin de faire appel. Quels sont les événements qui vont arriver dans la mesure où l'opposition n'a que seulement la Cibalo? Il est le chef. Monsieur Serge, voilà. Il est le chef d'état-major. Il a des informations que nous autres, nous n'avons pas. Donc, c'est pour ça que moi, je dis qu'il est le seul. Si Tempo pouvait avoir l'occasion de l'avoir pour lui demander... pour les raisons, mais ça sent mauvais. Mais est-ce que vous croyez qu'il peut venir quand même livrer le secret professionnel? Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. En tout cas, je trouve qu'en temps normal, on n'a pas besoin de ça. Mais en tout cas, dans les murs, on peut attendre ses secrets. On dit ça, voilà. Mais c'est comme de l'air. Hein. Le secret, c'est comme de l'air. Et la vérité, à moins qu'ils ne le disent pas quelque part, s'ils le disent quelque part, que ce soit dans un bureau, les gens sauront. D'accord, on n'a plus assez de temps. Notre émission est terminée, mais je voulais quand même passer au moins c'est une minute, je dis bien une seule minute à chacun, de pouvoir donner son mot de fin. Et si vous dépassez la minute, je serai obligé de prendre la parole. Le professeur, je commence par vous, professeur. Merci, monsieur Serge. Professeur, je commence par vous.
Yves Kinaoué, et merci à Credo. Voilà. Alors, mon mot de fin, c'est un souhait ardent à l'endroit de tout le peuple togolais, y compris les tenants du pouvoir. Et je voudrais tout simplement poser une doléance. Et ma doléance s'intitule ainsi, comme suit. Nous voulons désormais, quels que soient nos motifs, nos mobiles, qu'aucune élection au Togo ne puisse aboutir au versement, c'est pas d'une seule goutte du sang d'un Togolais. Nous voulons, quels que soient les motifs, quel que soit ce que les gens veulent, mais si vous voulez garder le pouvoir à vie, faites en sorte que on puisse organiser des élections où il n'y aura pas de sang versé des Togolais. C'est fini. Il faut mettre fin à ça. Et au peuple togolais, je réitère mon appel selon lequel, si quelqu'un venait de l'extérieur nous imposer quelque chose que nous ne voulons pas, et ça passe, ce que nous-mêmes on aura, nous y est que pour pleurer. Alors, vigilance, vigilance, tel que tu es debout, mon peuple, il ne faut pas te laisser faire. Les mobilisations des 6, 7 et 9 prochains doivent être utilisées pour prouver aux yeux du monde entier que tu es encore debout et fort et que tu ne pourras plus jamais accepter d'avaler quelque pilule que ce soit si tu n'as pas envie de l'avaler. Merci. Merci, professeur. Rapidement, Credo Emmanuel, allez-y pour une seule minute. Oui. Et merci, je remercie tous les panélistes pour ce débat que nous venons de faire aujourd'hui. On remercie Dieu et on le prie d'assister le peuple togolais dans ces moments difficiles. Nous arrivons au moment, dis donc, très décisif de notre lutte qui est la fin du mois de juin. Moi, mon souhait, pour qu'on puisse vraiment donner tout le respect à la CEDEAO et puis aux facilitateurs, c'est de prier que les partis d'opposition puissent continuer leur meeting d'information sans appeler les gens dans les rues, jusqu'à ce que le verdict de la CEDEAO le tombe. C'est mon souhait. Faisons que ce pays passe de cette étape à une élection sans effusion de sang. Faisons que plus jamais qu'un Togolais ne tombe parce qu'il veut plus de liberté. Donc, on dit que nous avons entendu pendant 7-8 mois, ce n'est pas un seul mois qui va nous dépasser ou bien nous tuer. Retenons notre passion pour un seul mois et on verra. Je vous remercie. Merci. Je remercie et tout le peuple togolais. Je leur demande du courage pour affronter la phase finale. Merci. Merci, Credo. Alors, je termine sur vous, monsieur. Bien, rapidement. Bien, j'ai une minute. Une seule minute, je vais utiliser pas 30 secondes sur 7 minutes. Alors, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'exceptionnalisme du peuple togolais se réalise encore une fois. Peuple togolais. Que le président démissionne. C'est aussi de l'exceptionnalisme. C'est aussi l'exceptionnalisme togolais. Peuple togolais, comme j'ai l'habitude de le dire, tôt ou tard, l'alternance arrivera au Togo. Je vous remercie. Merci donc. Mon cher Bizoze, il a respecté les 30 secondes. Merci à Malik pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les panélistes. Merci spécialement à Gabriel Aganda
depuis Lomé, nous avons été coupés. Mais Gabriel, avec toute cette information que vous nous avez apportée, nous vous tirons le chapeau et de vous dire de continuer de, la, de cette sorte, car Tempo Afrique sera représenté dans tout ce monde entier, parce qu'il est déjà au Togo, en Côte d'Ivoire, au Kenya, partout dans ce monde. Merci. Et pour tous ceux qui veulent réellement nous appeler pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au numéro qui est sur votre écran. Il y a encore d'autres personnes qui veulent s'abonner. Ils veulent s'abonner pour regarder cette émission. Je crois qu'on va vous donner les informations parce qu'il est mieux que vous abonnez. Il est mieux que vous abonnez parce que cette émission parle de votre continent africain. Tout simplement, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre édition spéciale de Grand Débat. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Contrairement à Sarkozy, qui dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.